Mardi 15 août 2023, Gérard Leclerc est mort à l'âge de 71 ans dans un crash d'avion de tourisme, à Lavaux-sur-Loire. Si les recherches sont compliquées, l'appareil se serait crashé dans des marécages profonds. Une figure emblématique des médias s'en est allée. Mardi 15 août 2023, Gérard Leclerc est mort à 71 ans dans un crash d'avion de tourisme dont il était aux commandes. Le monomoteur Robin DR400, qui se rendait à La Baule, a été retrouvé à Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique, à 3 ou 4 mètres de profondeur. Michel Richer, le président de l'aéroclub de Loudun a rapporté, « J'ai vu Gérard ce matin vers 10h. Il m'a dit qu'il attendait une météo favorable. Il avait fait sa consultation de météo avant de partir. Il est parti peu après. Il volait très régulièrement depuis des années. Il était allé plusieurs fois à La Baule. Je suis président depuis 15 ans et il était déjà avant moi licencié de l'aéroclub. Nous avons 3 avions et un ULM. Gérard était compétent. » Selon la vice-procureure de Saint-Nazaire, Marie-Cécile Loubarès, le dernier signe de vie de l'avion dans lequel se trouvait Gérard Leclerc, demi-frère de Julien Clerc, Michel Monory, la fille de l'ancien président du Sénat, René Monory et probablement une troisième personne, a eu lieu à 11h37. À 11h42, il disparaît des radars, localisé à proximité de la Loire, à Lavaux-sur-Loire, a-t-elle précisé. Dès le début de l'après-midi, des recherches ont été organisées sur terre, dans les airs et sur les voies nautiques. Des drones et des hélicoptères, ainsi que des moyens nautiques ont également été déployés. Des moyens spécifiques de l'Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile ont également pu se rendre sur place, a fait savoir la préfecture. Des recherches compliquées finalement, c'est à 18h30 que des débris avec un numéro d'immatriculation correspondant à l'avion piloté par Gérard Leclerc ont été signalés au niveau d'une écluse. Cependant, les recherches ont été compliquées en raison de l'obscurité et des forts courants. Alors qu'un dispositif de recherche avec des plongeurs reprendra ce matin, un habitant de Lavaux-sur-Loire a déclaré, « S'ils cherchent quelque chose par là, ils auront du mal à trouver. » I think you've got